Alors, bon, j'ai beaucoup travaillé sur la parenté, mais il y a un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la question de la dominance, du pouvoir et du statut chez les primates et de leur origine chez, enfin, des origines de ces phénomènes-là chez l'être humain. Et ça s'explique aussi par le fait, comme je l'ai dit plus tôt, que j'ai travaillé sur la dominance au départ chez les primates. C'était ça le point de départ, c'était étudier le système de dominance qui m'emmenait à la parenté. Donc, je suis revenu à la dominance finalement plus tard dans ma carrière. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que chez les primates, les rapports de... En fait, pratiquement toutes les espèces de primates ont des rapports de dominance où celui qui est dominant a une priorité d'accès par rapport à celui qui lui est subordonné. Il y a des hiérarchies de dominance entre femelles, il y a des hiérarchies de dominance disons, pour les mâles. Parfois, les mâles, la hiérarchie des mâles est au-dessus de celle des femelles, en fait souvent, parce qu'ils sont souvent plus gros. Donc, c'est un phénomène qui est généralisé. Il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a souvent. Il y en a notamment chez le chimpanzé, notre plus proche parent. Il y en a chez le gorille, bon, il y en a chez les babouins et les macaques. Donc, le statut de dominance chez les primates est extrêmement important parce qu'il agit comme une espèce de variable, ce qu'on appelle intermédiaire, qui va déterminer beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'un animal qui est dominant va non seulement avoir priorité, prenons un mâle, va non seulement avoir priorité aux femelles en estrus, en général, mais va avoir aussi priorité aux ressources. C'est très utile si elles sont, si elles sont limitées, par exemple. Il va être toiletté davantage. Il retire toutes sortes de bénéfices comme ça. Et bon, les causes à dominance, c'est-à-dire les processus d'acquisition peuvent varier entre femelles et mâles, mais les conséquences, elles, en termes de priorité d'accès et tout ça, d'accès aux partenaires, sont assez solidement établies. Et ce qu'il faut dire, c'est que les rapports de dominance, par définition, sont basés sur des rapports de force physique. À l'origine, vous avez un conflit entre deux individus, il y a un perdant, un gagnant, et celui qui perd se souvient des coûts de la perte et n'a pas intérêt à, comment dire, recommencer le combat. Donc, il est très adaptatif d'avoir une continuité, en fait, d'avoir une... d'accepter l'issue du combat et de se dire ou de s'afficher comme subordonné. La dominance, en fait, la soumission qui conduit à la dominance est un phénomène extrêmement adaptatif. C'est que le soumis, qui est moins fort, évite des blessures inutiles. Donc, très adaptatif, très répandu. J'avais étudié ça pendant des années, mais j'étais très conscient que, bien sûr, chez l'humain, il y a des rapports de dominance, il y a des rapports de force, mais que le statut social est beaucoup plus... est une question beaucoup plus complexe que les simples rapports de force ou les rapports de dominance. Et je me demandais, je m'étais longtemps demandé, dans un article que j'ai écrit même il y a 20 ans, j'avais essayé d'explorer les rapports entre dominance et statut social chez l'humain. Et j'ai repris ça plus récemment. Et pour résumer l'idée, c'est que le statut social chez l'être humain est beaucoup une affaire de compétences relatives dans de multiples domaines. C'est-à-dire que ça peut être une compétence comme chasseur, dans une société de chasseur, ou comme chaman, ou comme fabricant d'outils, mais celui qui est reconnu comme étant compétent dans un domaine, comme leader aussi, comme leader militaire, celui qui est reconnu comme compétent jouit d'un statut qui souvent lui est conféré par le groupe, contrairement chez les primates où le statut de dominance est imposé aux subordonnés. Dans les sociétés humaines, le statut social, d'abord, il y a presque autant de statuts que de domaines d'activité. Hein? On peut avoir un haut statut comme chercheur, un haut statut comme chasseur, un haut statut comme cuisinier. Il y a autant de statuts que de domaines d'activité. Et la compétence est reconnue par les individus qui souvent sont attirés vers le compétent, vont le regarder, l'imiter, le copier, même lui donner de la déférence. Et pas le dominant, mais appelons-le l'expert, c'est-à-dire le très compétent, va être l'objet d'admiration et de prestige. Il y a tellement une différence à prime abord grande entre un statut de dominance de type primate et un statut de prestige de type humain qui est très facile de dichotomiser, de séparer les deux et de les voir comme étant complètement indépendants, ayant chacun leur propre psychologie sociale propre. C'est d'ailleurs ce que deux auteurs qui ont écrit un modèle en 2001, qui ont écrit un article qui proposait un modèle en 2001, ont proposé, qui avait, comme ils disent à l'époque, « two ways to the top », deux façons d'obtenir, deux façons de grimper en statut, soit par la force physique et l'intimidation, la dominance, soit par l'obtention de prestige, c'est-à-dire par la compétence. Donc, d'un côté, vous auriez je grimpe en intimidant les autres, en tapant dessus. Donc, c'est uniquement compétitif. Et de l'autre, vous auriez je grimpe grâce à mes compétences et à ce que je peux donner à mes congénères, comme leader, par exemple, ou comme partenaire de coopération. Donc, c'est fondé sur la coopération. Ça semble, je le répète, très différent et indépendant. Or, et ces auteurs-là finissaient en disant, bien, il est probable qu'il y a eu que l'évolution du statut de prestige a ses propres principes et que ces principes-là sont indépendants de l'évolution du statut de dominance qu'on trouve chez les primates. Bon, évidemment, la dominance humaine serait, elle, la dominance chez l'humain serait un vestige de la dominance chez les primates, mais on aurait développé parallèlement un statut de prestige. Or, je pense que c'est pas vrai. J'ai proposé un modèle en 2015 qui contredit ce modèle-là, qui ne le jette pas en terre du tout, mais qui, sur certains points, est très différent. L'idée, c'est que, d'abord, chez l'être humain, la dominance, c'est pas juste une question d'intimidation et de compétition, c'est vraiment aussi une question de compétence. Un individu dominant chez l'humain, c'est pas seulement celui qui est plus fort. C'est celui... En fait, il y a plusieurs sources de dominance chez l'humain. Si on définit la dominance comme étant la capacité de nuire à l'autre, de diminuer, disons, le taux de survie de l'autre, comme c'est chez les primates, il y a différents moyens de le faire. Ça peut être dans le contrôle des ressources, ça peut être dans le maniement des armes, ça peut être en étant chaman, comme j'en discutais avec des collègues, notamment Robert Crépeau. Une discussion très intéressante sur le sujet, sur ce qu'un chaman peut... les menaces qu'un chaman peut... infligé aux personnes qui font affaire avec lui. Il y a plusieurs sources de dominance, je répète, plusieurs sources ou types de compétences qui vont résulter en dominance chez l'être humain. Donc, la distinction entre... Ah oui, je n'ai pas fini, justement. Ces sources-là vont amener du prestige. C'est-à-dire qu'un individu qui est dominant, disons qu'il est un bon leader, parce qu'il est puissant, et des études récentes viennent de sortir, 2015, qui le montrent, que des leaders qui sont, comme on dit en anglais, formidables, c'est-à-dire physiquement imposants, vont être respectés non seulement pour leur force physique, mais pour leur capacité de résoudre des problèmes dans le groupe et d'agir comme leader, justement. C'est pas juste qu'on en a peur. Ils sont prestigieux et on veut coopérer avec eux et on veut avoir leur support et leur appui. Donc, d'une part, la distinction entre dominance versus prestige, à mon avis, était très floue, parce que même les individus dominants sont prestigieux. Ça me permet de retourner aux primates, où là, on voit quelque chose de vraiment intéressant qui permet de faire le lien, la jonction, justement. Chez les primates, je vous le disais au départ, la dominance semble être une question d'intimidation, point, c'est tout. Mais c'est faux. En plus de la dimension d'intimidation, les plus dominants dans une hiérarchie sont les individus qui ont énormément de pouvoir. Comme ils ont énormément de pouvoir, ils ont une valeur sociale très grande pour ceux qui pourraient vouloir utiliser leur pouvoir. Ils sont, par exemple, capables d'interférer dans des conflits en toute impunité, de dire « c'est toi qui vas gagner » versus lui. Ils sont capables de dire « oui, tu peux manger... » En fait, pas de dire. Ils sont capables de décider que tel individu va avoir accès à une femelle versus non. Ils peuvent dire non, ils peuvent s'opposer ou non. Ils peuvent protéger quelqu'un qui est vulnérable aussi, pas seulement le faire gagner, non seulement supporter un individu contre un autre, mais protéger un faible. Ça, ce sont des choses qui sont observées chez les singes, justement, que j'ai beaucoup documenté dans mon article. Il y existe un attrait des subordonnés vers les dominants. Tantôt, je parlais de 415, le grand pacha, le mâle dominant, qui était couché à terre, c'est l'image qui m'est revenue la première fois que je l'ai vue, couché, toiletté, etc. Alors, les études montrent que les singes sont très attirés vers les dominants et que ça fait partie d'un espèce de rapport de réciprocité. Ils essaient d'avoir des services en retour. Quels services? Protection, aide, tolérance. Par exemple, chez le chimpanzé, on a remarqué qu'un mâle qui aidait le mâle dominant contre ses ennemis jouissait d'un accès aux femelles dont il n'aurait jamais joui s'il n'y avait pas eu l'assentiment du mâle dominant. Donc, il y a un échange de services entre dominant et subordonné. Ce qui veut dire que, et il y a, comme je le disais, attrait. Autrement dit, le dominant est non seulement quelqu'un d'intimidant, mais c'est un partenaire social très convoité. Ils sont très attirants, les dominants. On remarque souvent que les alphas, surtout, le numéro 1 femelle et le numéro 1 mâle, sont particulièrement attractifs. C'est sûr, ce sont eux qui ont le pouvoir absolu. Alors, ça veut dire que, dans le fond, il existe ce qu'on pourrait appeler une espèce de proto-prestige chez les primates. Le prestige n'est pas une invention humaine. Déjà, chez les primates, dans les rapports de dominance, parce que la dominance est une affaire de compétence, c'est-à-dire que le dominant, l'alpha, c'est un hyper compétent dans son domaine, parce qu'il est hyper compétent, il peut donner des services, il peut rendre des services très utiles, même si c'est des services physiques. Il est prestigieux, il est attirant, il n'est pas juste, il ne fait pas seulement peur. Ça permet d'établir un lien entre le statut de prestige chez l'humain et le statut de prestige ou de proto-prestige chez le chimpanzé. Et l'idée que j'ai proposée dans l'article, c'est que, à l'origine, les premiers homininés, avant l'évolution de la culture cumulative, donc quand on ressemble pas mal à des singes, là, on est typiquement primate au niveau du statut de dominance. Mais au fur et à mesure qu'on va développer des domaines d'activité de toutes sortes, au fur et à mesure qu'on va diversifier les domaines de compétences, il y a des gens qui vont devenir des chasseurs, d'autres des cueilleurs, il y en a qui vont cuire de la nourriture, fabriquer des outils. Et bon, on ne parle même pas de ce qui se passe dans nos sociétés où on a maintenant des milliers, si ce n'est pas des millions de types d'activités. Mais prenons les chasseurs-cueilleurs, il y a quand même une certaine panoplie d'activités importantes. Eh bien, dans ces activités-là, il y a des écarts de compétences. C'est-à-dire que si on prend, disons, le domaine des chasseurs, les chasseurs sont reconnus par les autres comme étant plus ou moins bons chasseurs. Il y a des excellents chasseurs, il y a des chasseurs médiocres, il y a des chasseurs moyens. On sait par des études ethnographiques que les excellents chasseurs sont regardés avec admiration. Ils rapportent du gibier, ils ont une valeur sociale importante. Ils sont prestigieux. Même chose, les chamans, un chaman peut être prestigieux plus qu'un autre. Ou, j'imagine, une très bonne cueilleuse extrêmement productive peut être plus prestigieuse qu'une mauvaise cueilleuse de fruits et légumes, et ainsi de suite. Donc, quand il y a eu diversification des domaines de compétences, l'idée, c'est qu'il y aurait eu cooptation des anciens mécanismes d'attrait pour le prestige aux dominants, pour l'attrait aux experts. Je répète, le respect ou l'attrait vers les dominants chez les primates aurait donné naissance à l'attrait ou à l'admiration des experts chez l'humain. Ça serait la même psychologie d'attraction, on appelle ça admiration chez l'humain. Chez les primates, on ne parle pas d'admiration, on parle d'attrait. Mais on pourrait dire respect, c'est un terme plus neutre. On respecte l'expert dominant chez le primate, on respecte l'expert chasseur ou autre chez l'humain. Eh bien là, il y aurait une psychologie commune que je développe. Bon, je développe plus dans l'article. Mais on voit qu'il n'y a pas de discontinuité et de... En fait, je vais le dire autrement, on voit qu'il y aurait une continuité phylogénétique entre le statut de dominant chez les primates et le statut humain, même si le statut humain est en grande partie basé sur le prestige. C'est simplement que chez les primates aussi, il y a du prestige, mais que c'est beaucoup moins évident et que nous, on a tellement multiplié les domaines de prestige qu'on ne voit plus que, dans le fond, tout ça peut être parti quand même d'une même psychologie d'attrait vers le prestige pour les dominants. Et justement, en appui à cela, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on sait que les dominants physiques chez l'humain sont prestigieux. Ils ne sont pas juste épeurants, comme on dit. Ils sont aussi prestigieux, ce qui va tout à fait dans le sens de l'hypothèse que j'ai proposée. Et qui, d'ailleurs, je dois le mentionner, est très bien accueillie. J'ai reçu plusieurs commentaires de gens, justement, qui travaillent sur la dominance chez l'humain, pas chez les primates, et qui, eux aussi, étaient un petit peu fatigués de cette dichotomie entre dominance et prestige, parce qu'ils commencent à réaliser que la dominance est une affaire de prestige aussi. Alors, ça montre, encore une fois, que des phénomènes qui sont spécifiquement humains, hein, parce que du prestige à la chasse ou du prestige dans toute activité humaine, on ne voit pas ça chez les primates, ce n'est pas détectable, mais c'est néanmoins... ça peut néanmoins tirer ses origines très lointaines de phénomènes primates. Et là, on rentre évidemment dans toute la question, grosse question très intéressante, de l'origine des hiérarchies, du statut et tout. Mais ça nous plonge au cœur de ces questions-là, parce que dans le fond, en fait, je peux même en parler un peu, c'est qu'à partir du moment où on a créé des domaines de compétences, comme la chasse, qui demande beaucoup de compétences et d'entraînement pour devenir compétent, on a constaté, évidemment, qu'il y avait des écarts de compétences. Mais pourquoi est-on passé des écarts de compétences à des écarts de valorisation de la compétence? C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas simplement constaté qu'il y avait des écarts de compétences? Pourquoi admirer les compétents? Hein? C'est une question qui est très basale, très fondamentale. C'est parce que coopérer avec un dominant ou un compétent, c'est beaucoup plus rentable que coopérer avec un non-expert ou quelqu'un qui est moins bon. C'est comme ça qu'on explique chez les primates l'attrait aux dominants, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors, si on imite, et ça c'est le modèle de... Je parlais tout tantôt, je n'ai pas nommé les auteurs, c'est Henrik et Gil White en 2001. Leur idée, c'était que s'intéresser ou admirer un expert dans un domaine, c'est très rentable au plan de l'apprentissage social. On peut apprendre beaucoup d'un expert, beaucoup plus que d'un non-expert. Alors, c'est ce qui expliquerait que, à force de vouloir coopérer avec des dominants, on leur attribue du prestige, ils en retirent des bénéfices de toutes sortes, des privilèges et ainsi de suite, de sorte que tout le monde, à un moment donné, a le goût de monter dans la hiérarchie, et c'est là qu'on a l'origine de la compétition pour le statut et de la quête de statut. La quête de statut étant très avantageuse, parce qu'elle débouche sur des avantages sociaux de toutes sortes.